Hello, coucou, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je voulais faire un get ready with me, mais finalement, j'avais trop la flemme. Donc du coup, voilà, je me suis préparée, je vais vous montrer ma tenue. Make-up hyper simple. Comme je vous disais, franchement, c'est super agréable de se maquiller sans suer. Donc du coup, j'en profite pour me maquiller et pour vider mes bouteilles. Comme ça, je pourrais trouver une excuse pour acheter du nouveau fond de teint, anti-cerne, etc. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche, je ne sais pas combien. Franchement, j'ai perdu la notion du temps, mais on est dimanche. Je sais qu'on est dimanche. On est invité, donc tout à l'heure. Là, je me suis préparée, je vais chez ma sœur, il faut que je bosse un peu avec les filles et après ça on va se séparer. Je prends Haroun avec moi, les filles vont partir chez mes beaux-parents, chez ma belle-mère plutôt, et voilà. Donc je vous emmène avec moi. J'espère que ce petit vlog va vous plaire. J'ai l'impression que c'est très brouillon, mais ça ressemble à ma vie actuelle en fait. Des fois c'est très chaotique et j'ai l'impression que c'est très brouillon, mais voilà, je vous montre vraiment sans filtre des petits moments. Et bah écoutez, c'est parti, on y va. Haroun, tu fais quoi? Haroun? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je bois de l'eau. Oups. Je bois de l'eau. C'est bien, Haroun. Alors en fait, depuis qu'on est en France, Haroun essaie de parler français. Regarde-moi, tu es trop choupiné, mon petit connard. Répète, je bois de l'eau. Je bois de l'eau. C'est très bien, mais il faut utiliser un verre pour boire de l'eau. Oui. Bah, il est où le verre? Il est où le verre? Il est où le verre? Bisous. Bisous. I love you. Non? 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 On va prendre un verre, on va boire dans le verre, ok? Non. Allez, viens, on descend. C'est terminé un truc. Voilà, il est largement, il a eu le rôle. Bon, je suis un peu de corvée. Quand t'es invité chez la famille, t'es pas vraiment invité. Tu bosses quand même. Tea time. Ça, c'est l'entrée. Bon, on se retrouve encore dans la cuisine. Donc, Fatima, qu'est-ce que tu nous as préparé? C'est une pastilla au poulet cette fois-ci. Parce qu'on a. Encore? Oh non, fruits de mer. صار كم نيرامي سكر بالصلاه نو شيشوت ني تاكيه يا نفول لوسن اه اوكي دونك اوكي داكور alors pastilla aux fruits de mer accompagnée d'une salade composée et qu'est-ce qu'il y a dans le four? Et dans le four nous avons du poulet, on voit rien. Ça sent super bon ça. Bon, vous allez vous dire, mes derniers vlogs, c'est que de la bouffe. Mais franchement, regardez-moi ça. Pastilla aux fruits de mer accompagnée d'une petite. Niram ksar perroz. Bien sûr, j'ai fait mon vlog, mais oui. Voilà, donc si vous voulez, si vous habitez sur l'île et que vous voulez une petite pastilla, bah voilà, vous me contactez. Bon, bienvenue à Ronk. Ronk, ma ville de naissance. Oui, je suis née à Ronk. Retenez. What do you say? Yes, I sing here. Oh! Oh là là! Il est quelle heure? Il est exactement 5 heures, il fait nuit! I think it's a good place here. On va essayer ici. On va faire une petite tenue ici. Hein. Ah, franchement, il fait super bon. Si, 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 ça fait du bien, ça fait du bien, l'air frais. What are you doing? I was just filming it. Okay. Yes. How are you? I'm fine. Yes, okay. Fresh air outside. Yeah, so ça fait du bien, ça fait du bien. Yes. Ok, alors là, c'est en train de filmer là, tu peux tenir. Merci. Ça va, let's give a try. Ouh, ça caille, il commence à pleuvoir, mais ça fait du bien. Alors on va faire un petit tour, on va marcher un peu. Oula, on voit rien. Je suis là. Oui, je disais, ça caille. Oh Nora, ok, sorry, sorry Nora. Ça caille, franchement, il commence à faire froid là, il commence à faire frais. Il pleut un tout petit peu, mais on va faire un petit tour, on va marcher un peu. Et ensuite, on va rentrer parce que franchement, moi j'ai pris je crois 3-4 kilos depuis que je suis rentrée. On est invité à droite, à gauche, et voilà, les pastilla, les rfissa, le tagine, couscous. Voilà, bref, donc. On va se promener un peu, on va passer à la boulangerie pour prendre. Oh là là, je fais que parler de bouffe ou quoi? Je fais que parler de bouffe. On va passer à la boulangerie pour prendre un gâteau et on va se faire un petit café.
Voilà, ben, les journées passent vite ici, c'est dingue, hein, ça passe vite. C'est vrai que le soleil se couche, le soleil se lève tard et se couche tôt. Donc du coup, j'ai l'impression en fait, ouais, ça passe trop vite, franchement, ça passe trop vite. Au programme la semaine prochaine, je vous emmène aux Pays-Bas, Inch'Allah, parce que franchement, avec ce Covid, voilà, c'est difficile de prévoir. On prévoit, mais en même temps, on essaie vraiment de... Ça va, Nora? On prévoit, mais en même temps, il y a des choses qui nous échappent. Hein. Alors, on avait prévu un week-end sur Paris, et il y a eu les annonces de grève, donc du coup, ça a été annulé. Même si finalement il y a toujours des trains, mais donc du coup j'ai préféré reporter en espérant que ça va pouvoir se faire. Voilà. Bon, café. Bon, alors vous allez me donner la recette de votre café. Qu'est-ce que tu mets dans ton café? Je te filme pas, t'inquiète. Noir. Attends, noir c'est les clous de girofle. Azucchini, c'est quoi azucchini en français? Ah bah les épices elles sont là, on va les montrer. Tout simplement. Voilà, donc on a ici de la cannelle. Après, donc le gingembre. Quoi d'autre? Azucchini, c'est ça? Ah bah voilà, azucchini, ce sont les herbes de Provence. Les herbes de Provence. Les clous de girofle. Bah oui. Attends, il faut du café bien sûr. Donc avec du café bien sûr. Et il faut laisser bouillir. Combien de temps tu laisses, Fatima? Longtemps, ouais. Franchement, ce café, c'est une tuerie. Une tuerie. Donc, Mariam, elle va nous faire du souffle là. Non, mais plus rapide, Mariam, il faut suivre la musique. Allez, Mariam. Je vois. Recoucou. Est-ce que vous êtes encore là? Bon, on est dans la salle de bain. Ça y est, là, je suis chaos technique. Il est 8h du soir. Il y a encore plein de monde en bas. C'est pas terminé. Encore, franchement, ce week-end, il a été chargé. Je vais me démaquiller. Alors, franchement, je ne me démaquille jamais avec du lait démaquillant. Mais là, j'utilise ce qu'il y a dans la salle de bain de ma cousine. Habituellement, j'utilise une huile démaquillante ou tout simplement une huile végétale, huile de jojoba, huile d'olive ou autre. Et ensuite, j'enchaîne avec tout simplement un nettoyant visage, mon eau de rose et une huile d'argan en général le soir. Voilà, donc je vais me démaquiller et je vais me laver, je vais me prendre une douche parce que vraiment, j'ai besoin de me rafraîchir. J'ai besoin de rafraîchir et je vais vous montrer ce que j'ai ressorti, ce que j'ai racheté plus tôt. Touloum. L'ultra doux de Garnier. Ça, c'est ce que j'utilisais il y a très 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 longtemps. Donc, j'ai repris le shampoing et l'après-shampoing. Bon, il y a Haroun déjà qui est en train de me chercher. Oh là 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 là. Franchement, ça a été une longue journée. Le week-end est passé trop vite encore une fois et c'est vrai que ça a été beaucoup d'invitations puisque comme je vous disais ma cousine des Pays-Bas est venue, donc du coup tout le monde a invité. Franchement, j'en peux plus des brochettes, j'en peux plus de la viande, j'en peux plus de la bouffe, quoi. Franchement, j'en peux plus. Il va falloir que je me calme là parce que vraiment ces derniers jours, qu'est-ce qu'on a mangé? Mon Dieu. Bref, en tout cas, ça fait plaisir d'être réunis, ça fait du bien d'être en famille, ça fait vraiment du bien et voilà quoi. En même temps, on sait que c'est pas tous les jours comme ça, alors on profite quoi. Je suis chaos technique, franchement. J'ai qu'une envie, c'est de rentrer et dormir. On va pas tarder à rentrer. Normalement, mes neveux devaient dormir à la maison. J'espère qu'ils ont lâché l'affaire parce que. Ils viennent dormir à la maison, ils vont regarder un film et on va rester encore réveillé jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Et demain, je dois me lever à 7h30, 8h. Il faut que je termine ma présentation. Qui vient me déranger? Non, mais laissez-moi un petit peu de privacy, please. Je rigole, ma chérie Rania. Je rigole. Viens, viens, ma puce. Regardez Rania, regardez ma belle princesse Rania. Voilà, ça va? Oui, c'était bon ce que tu as mangé? Oui, qu'est-ce que tu as mangé?
J'ai mangé du riz, ouais, du poulet, ouais, des crevettes, mmh. Et c'était bon. Et de la salade. Oui. Et toi, Mariam? J'ai mangé du poulet. Mariam, elle nous a fait une danse, une super belle danse, Mariam. Et maman, t'as filmé, hein? Je peux poster? Je peux partager ou pas? Oui. Ok, super, donc c'est bon, j'ai son accord. Hein, c'était bien, hein, ouais, tu t'es bien défoulée, t'as dansé et tout ça. Rania, elle était un peu plus timide, hein, oui, Rania? Un peu plus réservée, ça m'a étonnée d'ailleurs. Hein, Rania? Ok, bon allez, on dit au revoir. Au revoir. Ok. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je pense qu'on va se retrouver. On va se retrouver mercredi sur l'île avec Ramata. Ramata, ma copine. On se retrouvera ensuite aux Pays-Bas. Inch'Allah, aux Pays-Bas. Yalla, yalla. Ah, Mariam, ça y est quoi là. Yalla, yalla. Et voilà, franchement, ma vie là en ce moment en France, c'est comme ça. On passe d'une maison à une autre. C'est vraiment. Trop bien. On mange tout le temps du tagine et du couscous. Voilà, on mange tout le temps du tagine et du couscous. Bah voilà. Voilà, Mariam a résumé nos vacances. On a fait que manger depuis qu'on est là. On a dansé. Dansé, oui, on a dansé aussi. Quoi d'autre? On a mangé. Mangé, encore mangé. On s'est pas beaucoup promené, hein, franchement. Et aussi, on a joué. Oui, on a beaucoup joué aussi. Maman! Bon, voilà, on rentre. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Il est 22h03. Ahmed, je disais en fait que nos vlogs, il n'y a que de la bouffe. Ça fait 2 semaines qu'on bouffe. Ça fait deux semaines. Peux plus, oh là là, alhamdoulilah. Non, mais franchement. Mais là, franchement, là, je les brochettes, le thé, les salades, le couscous, les tagines, la viande. Là. Moi, je veux des nouilles. Je veux du chicken rice. Chicken rice. Rien du tout. Ah, bon, on embarque tous les petits. Parce qu'ils n'ont pas oublié en fait le. Mince, on entend la musique, faut baisser la musique. On entend, ils n'ont pas oublié le film, donc du coup, ben voilà, vous allez faire un film, vous allez être tranquille, hein, les enfants, ouais. Oui, hein. Haroun, on va choisir. Haroun, qu'est-ce que tu veux regarder? Haroun? Bobotayo. Et on va pas regarder LOL. Tu dois même, eux, c'est encore pire. Ils ont automatisé le système, tu vois. Ouais.